messieurs, félicitations. L'objectif est atteint, vous avez su retourner le match pour l'emporter. Ouais, c'est vrai qu'on a... On a quand même pas mal commencé, mais on s'est fait briquer sur un petit jeu où on n'était pas très très prêt. Après, Tristan a su élever le niveau au deuxième set. Moi, j'ai eu un peu de mal au retour sur ce match. Et puis, il m'a mis en confiance petit à petit. Et dans le match, on a fait un super début, une super tie-break. Et après, bon, c'était dur pour eux de revenir. Et c'est un peu, enfin, moi, je me suis un peu... Sur mes deux points de service, j'ai un petit peu fait n'importe quoi. Mais après, on s'en est bien sorti pour finir le match. Qu'est-ce qui fait la différence, justement, dans un super tie-break comme ça? Bah là, je pense qu'on a super bien commencé, on était à 7-1 je crois. Après on s'est tendu tous les deux, ils sont revenus mais on a quand même bien fini. Voilà, on était un peu sur la lancée du deuxième où on les avait breakés, même si on s'est fait débreaker, on était quand même plutôt devant dans le deuxième set. Voilà, on a continué sur la lancée, on a eu je pense un peu de réussite dans le super tie break. Voilà, on a aussi je trouve une bonne attitude, on panique pas, on est derrière mais on reste concentré, on essaie de rester ensemble. On se motive, il me motive, je le motive. Et au final, je pense que ça fait un peu la différence. En tout cas, la belle série de victoires continue. Ouais, on est invaincu et ça va le rester jusqu'à la fin de Bercy, j'espère. Non, mais on s'amuse, on se fait plaisir et c'est l'essentiel pour le moment. Donc, la finale contre les frères Skupski qui ont été très solides. Vous avez un plan déjà pour les affronter? Alors moi, je les connais pas, donc... Moi j'ai joué une fois avec Kenny l'année dernière, à Montpellier l'année dernière, ouais. On avait perdu 14-12, donc j'ai une bonne revanche à prendre, quoi. Mais c'est des bons joueurs de double, mais bon voilà, si on continue comme d'hab à faire notre truc, j'espère qu'on sera devant. Tristan, toi t'avais perdu en simple lundi rapidement et tu rejoues que t'as rejoué le double que vendredi. Comment t'as occupé ces jours quoi où tu jouais pas? Comment tu... Non, en fait, j'ai perdu lundi, je suis rentré à Paris pour m'entraîner pendant deux jours. D'accord. Et je suis revenu ici mercredi soir. Ok, donc parfait du... Je me suis entraîné. Vous jouez souvent, ça m'a peut-être dû jouer déjà aller les voir, mais ouais, j'ai pas... Vas-y, t'inquiète. Vas-y. Vous jouez depuis quand? Vous jouez depuis quand tous les deux? Deuxième tournoi. Deuxième, ouais. Et vous avez gagné le premier. Ouais. Un challenger de même catégorie. Donc ça se passe bien pour le moment. Qu'est-ce qui fait justement que vous, vos caractéristiques se conjuguent bien, vous êtes bien complémentaires, ça vient de quoi par le sens? Bon, on se prend pas la tête, on s'amuse, que s'il loupe, je l'encourage pour la prochaine et on se met jamais dans le bas. Même si on loupe un coup facile, on pense tout de suite à l'autre point, c'est ça qui est bien je trouve avec Tristan. C'est qu'on passe tout de suite à autre chose et moi aussi, et lui quand je loupe c'est pareil, il est derrière moi. Donc voilà quoi, on se complète bien. Comment vous avez eu l'idée de vous associer tous les deux? C'est le hasard, ça? Un petit peu le hasard, ouais. On était sur un tournoi en Hollande, je lui ai demandé de jouer avec moi pour la semaine d'après. C'est un mytho, c'est moi qui l'ai demandé. Et ça s'est fait comme ça un peu à la dernière minute et voilà, maintenant on est bien lancé quoi. Vous avez envie de... continuer ça? Ouais, ben moi j'ai un peu arrêté ma carrière de... Enfin, j'ai mis un peu en stand-by. Mais voilà, j'essaie de rentrer dans les 60 en double d'ici la fin de l'année, ça serait super. Et Tristan, lui, il est encore jeune, il va encore tenter le... Enfin, moi j'ai mis le simple de côté, donc c'est difficile de faire simple et double si on n'est pas vraiment sur les gros tournois, parce que les points ne sont pas les mêmes. Donc lui, il va continuer le simple, et j'espère qu'il va monter assez rapidement et qu'on aura un peu le même classement pour faire... Moi, je ferai les tournois qu'il fait, ou lui, pareil, mais... Qu'on se retrouve sur les gros tournois, je serais curieux de voir qu'est-ce que ça donnerait sur des grosses équipes. Je pense que moi j'en ai déjà joué quelques-unes et je pense qu'on a notre place au niveau quoi. Super, bravo les gars. Merci. Merci, bon courage pour demain. Merci.